Bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue sur ce canal si tu nous découvres pour la première fois. Moi c'est Zangé Nelson, promoteur du CIIA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative africaine ayant pour mission d'informer et surtout d'accompagner un maximum d'Africains dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement. Ceci signifie clairement que c'est un moyen de libération d'abord pour l'individu personnellement et ensuite pour tout le continent en tant que communauté, en tant que peuple. Pour cela, nous menons des activités autant en ligne que sur le terrain afin que les personnes comprennent d'abord l'essence même de la crypto-monnaie et ensuite puissent l'utiliser afin d'atteindre la liberté financière. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de beaucoup plus global qui frôle le développement personnel. Parce que en toute chose, il faut toujours se rassurer que la personne, que l'individu, que moi, je sois d'abord dans un état mental qui me permette de comprendre même l'environnement dans lequel je suis, qui me permette de comprendre même les opportunités qui s'offrent à moi. C'est la raison pour laquelle on travaille également beaucoup sur le mental des personnes, on travaille également beaucoup sur le développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique importante qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Il s'agit de la motivation. Et quand je dis motivation, je pense comme ça à tout ce qui tourne autour de la motivation, principalement les vidéos de motivation. Nous sommes très nombreux à suivre les vidéos de motivation dans l'espoir de devenir meilleur, dans l'espoir de réussir. Aujourd'hui, je vais un peu te décevoir en te disant que la motivation en elle-même ne sert à rien. Et je vais l'illustrer en prenant un exemple très populaire. Il s'agit des résolutions de fin d'année. Qu'est-ce qui se passe généralement en fin d'année? Tout le monde va dire, ok, nouvelle année, nouvelle méthode. Je vais prendre des décisions, je vais changer ma vie et on va se retrouver là à écrire des résolutions. Cette année, je vais faire ceci. L'année passée, je n'ai pas fait ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a une image très drôle qui se balade souvent. Si je la trouve, je vais la mettre quelque part là dans la vidéo. Et là-bas, le monsieur dit, on était en fin 2022, on entrait à 2023. Et le monsieur dit, en 2023, je vais essayer d'atteindre mes objectifs de 2022 qui étaient prévus en 2021 et que j'avais déjà prévu en 2020. Okay. Et là, ça traduit un peu la situation de plusieurs personnes. Parce que de toutes ces personnes qui écrivent ces résolutions, très peu les réalisent. Très peu tiennent ces résolutions jusqu'en février ou jusqu'en mars, par exemple. Tout simplement parce qu'il s'agit de la pure motivation. La motivation, c'est quoi en réalité? La motivation, c'est un punch. La motivation, c'est comme un coup d'adrénaline qu'on reçoit. En gros, c'est un peu comme de la drogue. C'est même de la drogue en fait, parce que même scientifiquement, quand on est motivé, on libère pratiquement les mêmes hormones qu'on libère quand on est sous l'effet de la drogue. Il s'agit de l'adrénaline. On se sent motivé, on a l'impression qu'on peut tout faire et qu'on va tout changer dès maintenant. Et la triste réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. Et c'est ça le drame de la motivation. Ça a un effet et après l'effet s'estampille. Parce que quand on voit des personnes qui sont sous l'effet de l'alcool ou de la drogue par exemple, ils ont l'impression d'être invincibles en fait. Mais par la suite, on se rend compte qu'on est toujours au même niveau. Pourtant, ce qu'il te faut pour réellement réussir, pour réellement atteindre le succès, c'est ce qu'on appelle le système. Le système, c'est un ensemble de choses qui vont te maintenir dans un certain état d'esprit, dans une certaine mouvance, jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs. C'est en quelque sorte une motivation continue. Mais la motivation seule ne suffit toujours pas. Il faut accompagner cela de la compétence, il faut accompagner cela de la passion, de l'engagement et de tout. C'est la raison pour laquelle c'est très important d'appliquer une règle d'or. Ça, c'est un secret que je vais te donner parce que c'est la méthode, c'est le moyen le plus efficace d'atteindre le succès. Il s'agit de la proximité des bonnes personnes. Quand tu es à proximité des bonnes personnes, c'est-à-dire quand tu t'entoures des personnes qui sont comme tu aimerais être, des personnes qui ont le succès que tu désires, là, tu es presque condamné à réussir. Parce que les êtres humains communiquent verbalement, physiquement, spirituellement, de toutes les façons, quand on est en contact avec quelqu'un, on communique avec cette personne. Et en étant donc proche, en étant dans l'environnement des personnes qui t'inspirent et à qui tu veux ressembler, tu seras donc condamné
à toujours être motivé, parce que chaque fois que tu vas voir cette personne, tu seras toujours motivé. Et en plus, tu auras donc la possibilité d'observer la façon de faire de cette personne et d'acquérir donc les compétences qui te permettront d'arriver à ce niveau. Ici, je veux donc profondément attirer ton attention sur le fait que la motivation seule ne suffit pas. Il te faut t'entourer surtout des personnes qui te motivent, des personnes qui t'inspirent, et non rester dans un cercle négatif où quand tu vas aller suivre une vidéo de motivation, tu vas te sentir bien, mais le lendemain, tu vas te retrouver au bar dans les mêmes situations qui t'enfoncent et t'enfoncent et t'enfoncent. Voici une simple méthode parmi tant d'autres qui te permettra d'aller au-delà de la motivation et de réellement te diriger vers l'accomplissement de ta mission, vers l'atteinte de tes objectifs. Pour ma part, je ne peux que t'inviter à rejoindre la communauté CIA dans laquelle nous travaillons non seulement sur l'être humain, sur la personne, afin de t'élever mentalement et de te permettre d'atteindre un niveau psychologique qui correspond au succès. Parce que c'est ça, et c'est clair, les riches sont à un niveau psychologique, à un niveau mental qui leur permet d'avoir ce succès, qui leur permet de mériter cette richesse. Parce que c'est ça en réalité. On n'obtient pas quelque chose, on n'obtient pas la richesse, mais on devient quelqu'un qui mérite cette chose. On devient quelqu'un qui mérite la richesse. C'est ça en fait, ce qui fait qu'à la base, c'est une transformation de ta personne qui doit s'opérer pour par la suite mériter ce que tu veux. Si c'est la richesse que tu veux, tu dois la mériter. Si c'est le bonheur que tu veux, tu dois devenir la personne qui mérite ce bonheur. Et c'est ce vers quoi je veux t'amener. C'est ce vers quoi tu vas être amené en intégrant la communauté CIA. Et par la suite, quand on sera individuellement des personnes fortes, on pourra donc aller accomplir comme ça des objectifs. Parce que un groupe n'est pas toujours fort. L'union ne fait pas toujours la force. L'union des chèvres ne fait pas la force. Parce qu'une chèvre motivée reste une chèvre. La seule union qui fait la force, c'est l'union des personnes fortes. C'est pour ça qu'on doit travailler sur nous. C'est pour ça que tu dois travailler sur ton développement personnel afin d'être meilleur d'abord individuellement. Et ensuite, quand on se mettra en groupe, on pourra donc former une équipe de personnes fortes. Ici, on parle de crypto-monnaie et de blockchain comme arme qui va nous permettre d'aller chercher le désenclavement financier de l'Afrique. C'est absolument possible. Et en plus, on n'invente rien. C'est quelque chose qui se fait déjà. D'autres pays ont déjà connu ce succès. Nous allons juste appliquer la même chose. Mais pour cela, il faut que chacun de nous soit d'abord à un niveau intellectuel, à un niveau mental qui correspond à ce succès. Je t'invite donc vivement à nous rejoindre, que ce soit dans nos différents forums, les liens vont être postés, ou dans les différents événements que nous organisons. Très prochainement, nous avons un événement très, très, très important, très intéressant que nous organisons. Ça s'appelle un bootcamp. Un bootcamp, c'est une formation accélérée, c'est-à-dire nous prenons une journée, généralement le samedi, pendant laquelle nous allons transmettre un maximum de connaissances. Bien entendu, nous allons d'abord travailler sur le mental, sur l'état d'esprit, et ensuite nous allons aller dans la matière en ce qui concerne la crypto-monnaie et la blockchain afin que tu saches utiliser cette révolution, afin que tu saches utiliser cette technologie qui est très simple en réalité pour ton bonheur, pour ta libération financière à toi d'abord et ensuite pour la libération financière de toute l'Afrique. Je t'invite donc fortement et vivement à cliquer sur le lien qui va s'afficher soit en commentaire, soit dans la description de cette vidéo et de remplir le formulaire. Après avoir rempli le formulaire, tu seras donc inscrit à ce bootcamp. Un membre de l'équipe du CIA va te contacter afin de finaliser la procédure d'inscription. Et c'est ainsi que nous allons former de plus en plus un groupe plus grand, former de plus en plus un groupe solide parce que les personnes individuellement seront bien éduquées, seront en bon état mental. La crypto-monnaie et la blockchain sont définitivement la révolution de notre génération, la révolution de ce siècle. Et les personnes qui ne vont pas s'y adapter vont soit régresser, soit disparaître. Parce que très bientôt, la crypto-monnaie va se retrouver partout. Autant mieux donc s'y mettre maintenant et apprendre comment ça fonctionne. Je t'invite donc vivement à rejoindre la communauté CIA afin que nous travaillions tous ensemble comme un seul homme sur cette thématique, que nous puissions faire de cette révolution quelque chose de bien pour l'Afrique, quelque chose de bien pour nous. Sur ce, je te dis merci, merci, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans le bootcamp. Clique sur le lien en dessous, inscris-toi et nous allons ensemble vivre une journée inoubliable lors de ce bootcamp. Merci une fois de plus. Au revoir.
Bye bye.